Deuxième vidéo sur les inéquations, nous allons apprendre à résoudre les inéquations. Alors, première propriété, qui est un rappel de quatrième, qui dit que si on ajoute ou si on soustrait les mêmes nombres aux deux membres d'une inégalité, alors on ne change pas le sens de l'inégalité. Dit comme ça, cette propriété n'est peut-être pas très claire. Pour dire autrement, si deux élèves ont une note, admettons en maths, qu'un élève a plus que l'autre, si le professeur décide de rajouter 3 points à tous les élèves, eh bien celui qui avait la meilleure note va la garder, et inversement, celui qui avait la plus faible va la garder. De même, si le prof décide de sanctionner toute la classe, d'enlever 2 points à tous les élèves, eh bien cela ne change pas la hiérarchie. On le comprend assez facilement. Premier exemple, si j'ai un nombre x plus 2 qui est supérieur ou égal à 1, alors si j'enlève 2 de chaque côté, x plus 2 moins 2 va être supérieur ou égal à moins 1 moins 2. On voit que de chaque côté, j'ai rajouté moins 2. Dans ce cas, le sens de l'inégalité reste le même. Et je peux donc conclure que, en opérant à gauche, plus 2 moins 2 va faire 0, il me reste x. À droite, moins 1 moins 2 moins 3. Cette inéquation, x plus 2 supérieur ou égal à moins 1, est équivalente à celle-ci, x supérieur ou égal à 3. De même, si on me demande a inférieur à 4, que puis-je dire de a plus 5 et de a moins 8? Eh bien, si a inférieur à 4, donc je vais ajouter 5 de chaque côté, a plus 5 va être inférieur à 4 moins 5. J'ajoute 5 sur les membres de gauche et de droite. En ajoutant à gauche et à droite, cela ne change pas, mais ma hiérarchie, le symbole reste bien inférieur. J'ai donc a plus 5 est inférieur à 9. De même, si je décide d'enlever 8 de chaque côté, a moins 8 sera bien inférieur à 4 moins 8. Donc a moins 8 inférieur à moins 4. L'idée étant de dire que ici, j'ajoute 5 de chaque côté de mon symbole inégal, et ici, j'enlève 8. Peu importe, en ajouter 5, enlever 8, la hiérarchie ne change pas, le symbole inférieur reste le même.